jouer à la console quand ce sera fini pour Last of Us, je pense, avec Petit Cancanou qui aura le droit à la VR Media. Oui, j'ai cassé le stream, j'ai cassé tout en fait, hein. Y a plus de musique, c'était juste que ça s'est coupé parce qu'en fait j'étais pas dessus. J'ai même pas allumé Stream Closed Captioner. Rien ne va ici, hein. Rien ne va. Et bon, du coup, bonjour. Je tiens à préciser que du coup, on a peut-être séparé bien les survivalistes. Donc j'ai coupé survivaliste de Untitled Ghost Game la semaine dernière. Donc ça va faire deux, entre guillemets, séries. On va essayer de faire en sorte que. À, alors là, du coup, ça fait combien de temps? Il est quelle heure exactement? Il faut que j'appuie sur une touche. Faut que j'appuie sur une touche. Il est 15h10. À 16h, on essaye de changer. Comme ça fait 16h-17h. Parce que je sais qu'il y a JDR, je sais pas à quelle heure c'est. Du coup, l'idée c'est. On fait survivaliste. Premier épisode, ce sera c'est donc du coup la mise en place des personnages avec Nicéphore et Idriss surtout. Comment on vit, comment, etc. Et du coup, là on a découvert R qui nous a ramené une longue vue. On a fait des donjons la semaine dernière, donc on a un peu fait un peu le début d'action, tu vois, genre deuxième acte. Là on était censé quand même. Donc du coup, on a dormi à côté du donjon d'ailleurs, j'avais oublié cette histoire. Alors voilà toute la beauté de ce personnage qui est Idriss. voilà, on a du coup R qui doit être quelque part autour. On est d'accord qu'il y a R là quelque part, je le vois pas. On a fini à 20h la dernière fois? Ben non, 16h. Bon. On va checker. Donc du coup, l'idée maintenant, c'est soit se déplacer, soit continuer à trouver des donjons, sachant que pour l'instant il n'y en avait qu'un, on va checker. Allez, c'est parti. Est-ce que R est dans le coin? Oui, R. R qui a une chapka et qui est vert. Alors du coup, on voulait changer aussi la couleur un peu. Il nous faut de la bouffe, on annule. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah oui, j'avais dit à R, porte. C'est ça que j'avais appris la dernière fois. R, viens, imiter l'action du joueur, porter. Et du coup, je te donne lancer objet. Tiens. Attends, attends. Non! R! Je veux te donner. Je peux te donner? Non? Bon, allez, on se barre, du coup. Je crois que c'est parce que je lui ai donné la lance. Bon, bah, salut, hein. Je sais que c'était bien ici, hein, mais on va dormir ailleurs, nous. Alors, on n'a toujours pas trouvé beaucoup de métal, hein, je précise. Mais là, on rentre à la baraka et on va essayer de faire en sorte. La vie est pas mal. Mais qu'est-ce qu'il fait, R? Il vient pas avec nous? Ah, c'est parce que je lui ai dit. Pars! R, tu es où? Il est vraiment en train de se barrer. Eh, R, tu peux me suivre, merci. Je peux te donner ou pas, alors, du coup, si je te donne lancer l'objet, non? Je peux pas te le donner, voilà. Ah, bah voilà, ça fonctionne. Bon, allez, viens, hein. Faut s'approcher, en fait. Donc, on a la longue vue. On va regarder un peu la carte. Comment qu'on dézoome, voilà. Donc on a regardé de ce côté-là, on voit que là il y a une île. Et ici on a regardé un peu. On devrait tester en bas, mais d'abord on va essayer de tester de là où on habite, ok? Parce que je pense que c'est nécessaire. De toute façon, faut qu'on dépose nos affaires. Je vais récupérer les cornes parce qu'on en a toujours un peu besoin. Feuilles de palmier, non. Ça va. On continue. Idriss n'a toujours pas de chapeau. Ah, il y a un donjon ici. Il y a une cave plutôt. Des katas. Je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'on se balade un peu, qu'on fasse un peu de repérage et qu'on essaye de construire quelque chose qui puisse nous. Voilà. Bah, Nicéphore, tu gagnes des niveaux comme ça en tapant des gens. Comme d'habitude, hein, j'ai envie de te dire.
Mais je suis plus enclin à accepter ta violence aujourd'hui. Je t'avoue. Alors, on essaie de faire les choses proprement. Du coup, Nibbler, est-ce que tu as déjà une horaire de JDR ou pas? Portez-moi donc. Ah, faut le porter lui. Donc on arrive. On arrive, on vient te porter. S'il faut juste te porter, on va dans. Ça va être facile ça. Est-ce que vous voyez quelque chose? Parce que c'est vrai que c'est sombre quand même. Non mais s'il te plaît, Nicéphore, fais ton travail. Mais je suis en train de me faire sucer le sang. Et R, il s'est arrêté, R. Tu te fais démonter, R? Qu'est-ce qui se passe? Où est mon maillet? Voilà. Je peux pas taper avec ça. Ah, je tape avec ça. C'est 18h en général, mais aujourd'hui c'est quelle heure? Tu me donnes? Ah, t'as posé le truc? Mais R, tu sers à R? Le coffre, c'était pas pour faire joli. Bon, on prend la bouffe, hein. Toujours bien. Il a posé où le coffre? Mais c'est sérieux cette histoire? Où est le coffre? T'as lâché le coffre où? On va pas devoir. Ah, ça y est. Alors, il fait toujours jour d'un coup. Hein. Aïe, aïe, aïe. Où est le coffre? Je sais même pas par où on est passé. On est passé par là, non? En fait, je t'ai donné le coffre, tu l'as posé direct? Franchement. C'est pas possible, ça. On essaie d'être aidé, mais on n'y arrive pas. Je prends des myrtilles. Hein. Ah, je peux pas. Dane. Qu'est-ce qu'on va poser? Le charbon, on s'en fout, en fait. On pose ça. Je sais même plus comment on pose. Attendez. Oui, c'est ça. Ok. Hop. 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 Et du coup, un peu de myrtille sur le chemin. C'est où? Il a vraiment posé le coffre dès le début? Non, mais je suis choqué. C'est pas possible, cette histoire. Je te donne le truc, c'est pas pour le poser. On mine des myrtilles, hein, je précise, si vous n'avez pas remarqué. On utilise tous les outils nécessaires à la prise de myrtilles. Il a vraiment déposé le truc dès le début, là? Je te l'ai donné là. Hein. Il est où? Le coffre, il s'est cassé? Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, attendez. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, on va. Je suis pas d'accord. C'était vraiment chargé. Oui, bien sûr, on va charger cette batterie. Je suis pas d'accord. Parce qu'en plus, on a lutté pour avoir tout ce qu'il y avait dans le coffre. On a fait le donjon en entier. Tiens, ça me fait penser que j'ai pas changé les trucs de Twitch. On est quand même en train de jouer à Twitch, hein, je précise. Voilà, hop. Je vais mettre survivaliste. The survivaliste. Survive. Survive. Voilà. The survivaliste. Mais non, pas Tintin sur la lune. C'est quoi ce truc, The Survivaliste? Je tape The Survie et le mec il me trouve Tintin sur la lune. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais qu'est-ce que c'est que cette dose? Je ne joue pas à ça. Je ne joue pas à ça. Excusez-moi, Twitch. Hein? Merci. On joue à des jeux quand même. Et du coup, on va changer le modifier les trucs. On va changer de titre aussi, peut-être que ce serait bien. Qu'est-ce qui s'est passé? On a quitté? Qu'est-ce qui s'est passé là? Je peux regarder. Hop. C'est pas possible cette histoire. Pas possible. Attendez, il faut que j'aille du coup du côté de la chaîne. Parce que je sens qu'il m'a mis. Ah, vous avez joué à Tintin on the Moon! Nick!
Mais la vitesse là, il s'est passé quoi? S'il vous plaît, monsieur Twitch, que faites-vous? Tout ça pour me montrer toutes vos pubs là sur votre chaîne. Vous n'êtes pas obligé d'afficher tout le monde, hein. Enfin si, ça peut être intéressant, mais pour l'instant, on n'est pas affiché nous, donc on s'en fout en fait. bon, c'est pas du tout ça que je cherche. Oh là là. Chaîne. Ça prend 15 ans. Bon, vas-y, j'en ai marre. On prend notre truc, on annule ça, on porte ça, et on se barre. Ah oui, attendez. J'avais pas vu, mais il y a quelque chose ici en fait. Le mec, il voit rien. C'est pas moi qui l'ai enterré en plus ce truc-là. D'accord. Eh bien, on va porter. Je te donne ça. Par contre, tu vas me suivre. Hein. Et on part. Ah, toi, tu veux rien. Allez, hop. C'est moi qui vous protège si vous voulez. Hein. On part la nuit en même temps. Quelle est l'idée de partir la nuit? Non, mais j'ai pas besoin de regarder le live, en fait, monsieur Twitch. On n'est pas obligé de regarder le truc en boucle, s'il vous plaît. Pourquoi quand on tape chaîne, on est obligé de taper direct, tout mettre directement sur le truc en live? Je comprends pas. C'est n'importe quoi. Je sens que je vais devoir le faire après. Accueil, voilà, c'est ça que je veux faire. Et fais pas genre, on peut voir les previews, je sais que tu bugs depuis 15 ans. Coupe-moi le son. Coupe-moi le stream, coupe-moi tout. Qu'est-ce qui se passe? Mais ah! On se fait attaquer! Dane! Attendez. Faut que je quitte ça. Mais c'est pas possible cette histoire. Pourquoi j'avais le charbon dans la tête? Mais je vais mourir. Bon allez, hop. Mais on peut avoir de la vitesse là? Bon, tiens, Nicéphore, fais-toi plaisir. Toujours compter sur Nicéphore pour pouvoir se débarrasser des gens comme ça. Hop. Wouah, trop rapide Nicéphore. Trop rapide. C'est bon? Bon, c'est toi qui nous fais garde du corps, hein, comme d'habitude. Hein. Allez. On est parti. Bon, j'ai tout fermé, j'en ai eu marre. J'ai pas compris là. Il y a trop de choses qui bug dans leur truc là. J'ai pas compris. Hein. Voilà. Je me suis énervé, mais c'est à cause de la Vermedia surtout. Tintin sur la lune, sérieusement. Je savais même pas qu'il y avait eu le jeu. Je savais même pas. Ouais, j'ai besoin de choses et vous. Ok. Tu veux plus être porté en fait, toi. Ça y est, c'est fini. Nicéphore, on va passer en dehors de la map. On va passer à côté des gens qui sont agressifs. Ok? Mais ne les tape pas. Non, d'ailleurs, c'est de ce côté-là, c'est le côté pacifique. Bon, c'est compliqué. Hein. D'ailleurs, je me demande si on peut les sortir les os là. C'est une bonne question. Je ne sais pour où. Je ne sais pour où. Il y a un gros point rouge aussi sur la map. Je sais pas ce que ça veut dire. Donne-moi une R. Hop. Est-ce qu'on fait dodo? Oui, et ça nécessite un peu de dodo, j'ai l'impression. Hop, on va ajouter ça. On va manger. Et on va faire dodo. C'est surtout dormir en fait qui est important. Bon, on a la longue vue, on a de la bouffe, faut utiliser tout ça. Alors, faut braquer la longue vue pour savoir à peu près jusqu'où on peut aller. Donc, on va faire dans ce sens-là. Bon, il n'y a pas grand-chose de ce côté-là. On a de la mer.
Ok, on va aller jusqu'ici, histoire de voir bien si ça va très loin ou pas. Non. Du coup, en bas. Là, le but, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'on essaye de savoir si on peut aller loin. Si on peut aller loin, ça peut être cool. Ah, mais plus je tiens et plus ça va loin. C'est ça l'histoire? J'ai l'impression. Ou c'est la diagonale qui m'a fait. Qui m'a faussé. Bon, il n'y a rien. On va vers en bas. Et j'ai l'impression qu'il y a une sous-île juste en dessous, là. Ouais, il y a l'air d'avoir une île. Et qui a l'air d'avoir des récifs. Parce que la longue vue, elle s'arrête. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Alors, on va s'approcher. Ah, bonjour, monsieur le requin. Vous voulez vous faire défoncer par mes singes? On avait vu ça la dernière fois. Hein. Previously on Lost. On avait défoncé un requin. Salut! Moi, je te mine. Hein. Le seul truc que je peux faire, c'est miner. Et voilà, j'ai cassé mon truc de mine. Je vais continuer à regarder les garçons. Enfin, les garçons. Ah, mais on peut vraiment traverser à pied, là? Ah, on peut traverser. C'est une presqu'île! Bonjour monsieur le requin. Peut-être qu'on va aller chercher la bouffe du requin quand même. Histoire 2. Histoire 2, un peu. Un peu ce stuff en bouffe. Alors, c'est vrai qu'ils ont des filets, ils ont plein de trucs en fait. On va lâcher, comme on avait dit, le charbon tout à l'heure. Hop. Hop. Et on a le filet. On continue. Notre exploration de la presqu'île. Ah, excusez-moi. Vous voyez les taches plus sombres? On peut pas passer par là. C'est un peu plus profond. Si vous voulez défoncer le... Voilà. Si vous voulez, vous pouvez y aller. Hein. Je vous regarde. On regarde le combat épique. Il est fort hein, avec ses. Il fait des charges de lance hein, quand même. Allez, bloquez-le! Voilà. Moi je fais l'appât. Bah voilà! De la bouffe, que de la bouffe d'ailleurs. Il n'y a pas d'os là, cette fois-ci. Allez hop. On continue. Ah, j'ai oublié une bouffe. Oui, mais on va manger, t'inquiète pas. On a de quoi manger aussi, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. On découvre la presqu'île. Histoire 2. Il y a beaucoup d'arbres ici. Hein. Il y a des lapins. Ouais. Oh, il fait nuit déjà, mon Dieu. Des os. Il y a quelque chose là. Beaucoup de robots today. Pourquoi de robots? Ah, tu veux que je dise bonjour aux robots? On va dire bonjour aux robots. Alors. Je casse les os là et voilà. Hop, il y a un truc ici là qui brille. Tapisserie, une tapisserie décorative tissée par des mains expertes. Mais je peux pas le prendre ça. Je vais jeter la boue. Est-ce qu'on en a vraiment besoin de la boue? Hop, on va prendre la tapisserie. Voilà. Alors, disons bonjour aux robots. Alors, les robots, pendant qu'il fait nuit. Utilisateur dans le chat. Bonjour Commander Root. Ah, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Electrical Longboard, long time no see. Je suis content que ce soit là aussi. Glamours, ça fait un moment que t'es là. Et Shingurette aussi, ça fait un moment que t'es là. Go Wifim, Ildelara. Pinguito aussi, bonjour, bonjour. Et toujours, bien sûr, bonjour à Petit Cancanou. Nilbleur, Nightbot et Wizbot. Streamlab, je te dis pas bonjour hein, parce que tu m'as fait chier un jour. Tu m'as fait chier. On va manger des baies quand même, hein, faut pas déconner. On va poser ça, manger des baies. Toutes les baies qui sont ici. Parce qu'en plus, elles tombent du ciel.
petit ASMR déglutissement. Et on continue. Donc là, on a fait toute la presqu'île. Donc on va regarder en dessous de la presqu'île. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Pourquoi il y a un gros... C'est moi l'endroit où il y a... Il y a une île. Il y a une île en bas. Il y a une île. On la voit bien. C'est peut-être même un continent. Peut-être qu'on a retrouvé la vie. La vie humaine. Il faut que je regarde pour regarder la carte, il faut que je regarde le retour, sinon je vois rien. C'est magnifique. Voilà l'effet caméra de face. Hein. Ok. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ah, mais peut-être qu'on va faire aussi de quoi pêcher. Parce qu'on ne voit pas beaucoup de poissons, mais il y en a. Et là, on se retrouve en dessous, j'ai l'impression. Regardez par là. Ouais. Et là, on est au niveau de l'île, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Eh bien, c'était cool. Petite expédition, on a découvert la presqu'île. On va essayer de remonter rapidement, faire de quoi manger. Essayer de regarder combien il nous faut de bois pour faire le radeau. Ah, il y a un autre truc là à trouver. Est-ce que vous voyez les choses qui brillent? Je ne sais pas. Il n'y a rien. C'était vachement intéressant. Ah! Ici. Poignée d'outils? Bon, c'est un peu surfait ça. C'est pas comme si on pouvait le faire à la maison. Bon, 1, R, il y a quelque chose qui va m'attaquer. Hein. J'ai pas d'armes. C'est vous qui me garde du corps, hein, je vous rappelle. Les singes, les singes, les singes, ok, en effet. Échanger objet, non, bah non, tu continues à taper. Mais pourquoi je pouvais pas passer par là? Il y a de la place? Alors là, c'est plus compliqué hein, de nuit. Après, j'ai le reflet aussi de la lumière. Mais de nuit, c'est plus compliqué de se balader dans l'eau. On voit pas grand-chose. Et on peut pas prendre. On peut prendre les coquillages, ça sert à quelque chose? Est-ce qu'on peut prendre les coquillages? Non, ça c'est du sable. J'imagine. Ouais, c'est ça. On peut pas prendre les coquillages. Ok, on va faire manger. Les profondeurs d'Everquay. Du quai infini. Everquay, non, c'est du beau quai plutôt. Les profondeurs du beau quai. Oui, ah, oui, on a compris. Choisir recette. Bah alors du coup là on peut faire de la bouffe. Hein. On va faire ça. Hein. De toute façon c'est toujours shish kebab. On fait toujours du shish kebab. Le maillet il est où? J'avais un maillet avant. Il est où? Là. Voilà. Toujours faire un bouffer avec le marteau. Bien entendu. Vous avez un maillet chez vous. Vous pouvez faire à manger. Voilà. On continue. Hein. On est là pour faire à manger. Et après on s'attelle à tout ce qui est est-ce qu'on peut faire une fonderie, une centrale nucléaire, enfin tous les trucs qu'il y a de base dans ce genre de jeu. Chose que je n'ai pas envie de faire, j'aimerais bien survivre en mangeant des plantes. Mais je crois que c'est compliqué. Je crois qu'on peut l'ouvrir autrement, mais je vais le faire comme ça. Hein. On mine ce truc. Faut que je me calme, comme toi, plus tard. Et voilà, de la thune, et des lingots de métal, et un casse-croûte. Alors, on va manger un casse-croûte, attendez. Il me demande un casse-croûte. Hop, c'est bon, là. Il y a quoi déjà dans mon... Alors, les lingots de métaux, c'est bon. Ah, il y a de la bouffe, là. On va prendre ça, on va prendre ça. Ah oui, c'est vrai qu'on devait faire la lance enflammée. J'avais oublié, et on a trouvé de l'or. Je crois qu'on peut faire... Alors, attendez, on va regarder vite fait ce qu'on a besoin pour faire annuler, choisir recette, pour faire le filet là. Le filet de poisson. Faudrait qu'on débloque des recettes au final. Ah, ça. Est-ce que je peux faire ça? J'ajoute. Il me faut du.
Il me faut du truc de bananier, là. Comment ça s'appelle? Non, mais tout. Il est où, là? Ah oui, la tapisserie, il faut que je la pose, ça me sert à rien ici. Hop, tapisserie. Longue vue, c'est bon. Ça, on a besoin, ça, on a besoin, ça, on a besoin. Ok. Ici, il n'y a que deux. D'ailleurs, pourquoi ça, c'est mal rangé, ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce monde? C'est vraiment, j'ai tout déposé à l'arrache la dernière fois, hein? Pas possible. Voilà. Hop, on a pris le lingot. On va le déposer ici. Peut-être écrire des trucs sur les boîtes. Je suis même pas sûr qu'on puisse le faire. Mais on n'a pas de. Ah si. Hop. Et allez, hop. Et c'est parti. On s'équipe du maillet. Toujours le maillet pour faire manger. Oui, nous avons débloqué une nouvelle recette, trop bien. Allez. Là, on mange du poisson, donc ça va être bon. C'est long. Faut que j'augmente mes capacités là. C'est très long hein, comme bouffe à faire. Et on redépose ça. Voilà. Alors, regardons ce qu'on a. Ah bah tiens, il y a un poisson encore. Ah, on a débloqué ça. Vous avez vu ce bug d'affichage? Poisson sucré salé. Oui, mais bon, le sucré salé, c'est. Ok. Oh, pas tout de suite, hein, parce qu'il faut de la mangue en plus. C'est compliqué hein, d'avoir la mangue, tout ça. Vous savez pas comment c'est dur de survivre déjà et qu'en plus il faut faire des trucs bons. Pas le time, hein. Charbon. Ok. Alors qu'est-ce qu'il y avait dedans? Ah oui, donc il y avait du beau. Il y avait des trucs. On va ranger. À 99 déjà! Faut que j'arrête de prendre des galets, moi. Je me balade dans la ville comme ça, prenant des galets sur le chemin. Ça, on va prendre. Ah, on peut pas. On peut plus rien prendre. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de place. Hop. Non, c'est ici que je voulais mettre. Et du coup, les galets. Ils sont toujours là. Non, c'est les. Voilà. Lingots de métal. Faudrait que je pose la bouffe. Je sais pas où j'ai foutu la bouffe. Je crois que j'ai pas d'endroit spécifique à la bouffe. Ah, tiens, là c'est plutôt spécifique à la bouffe. Il y a pas mal de bouffe ici. Voilà. Ça, t'as pas besoin d'être là. Clairement. Est-ce qu'il y a de la bouffe? On va prendre les trucs. On va tout déplacer de l'autre côté. Ça, c'est quoi? Ça, on s'en fiche. C'est pas de la bouffe. Et ça, c'est de la bouffe. Je devrais prendre les armes et les ranger aussi à un endroit. Pourquoi je me suis dit faut que j'optimise là? Faut que j'arrête? Faut que j'arrête là? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi maintenant? Voilà. L'établi. Ah si, on est en train de ranger ça, c'est pour ça. Donc on va essayer de faire la lance de feu. Faut qu'on range ça, faut qu'on range ça, faut qu'on range ça. On peut pas ranger d'autres. Les outils. Hop, le galet. Le métal, voilà. Le maillet fragile, on n'en a pas besoin non plus. Ça, je sais pas à quoi ça sert, mais on va le ranger ici. Bon, après, c'est des clous, hein. Je pense qu'on en aura besoin à un moment, mais. On n'en a que un. Ça sert à rien d'avoir un seul clou en métal. Ça, c'est des armes. Donc, les armes, je crois qu'on va les mettre là-bas. Hein. Ouais, il y a pas mal d'armes ici. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ranger ça. Est-ce qu'il y a d'autres? Non, maillot robuste, non. Ok. Les os, la bouffe. Donc les os, je crois que c'est ici. Oui. Et la bouffe, ici. Voilà. J'optimise un peu, parce que comme ça, bon, ça va être prêt. Et du coup, il nous faut. Non, ça c'est pas les outils. Si, il y a des outils ici, on remarque. Purée. Les outils, je vais les mettre avec les armes. Je devrais préparer un festin, mais bien sûr, t'as raison, Idriss. T'as tout à fait raison. Maillet robuste, on garde. Ça, on garde. Ça, on garde. Ok. Je pense qu'on est pas mal au niveau des trucs à prendre. Alors, du coup, optimisation de notre time. Donc.
On a vu qu'il y avait une île en haut. On a vu qu'il y avait une île en bas. Je suppose qu'il y a une île aussi à gauche et à droite. Je pense que c'est un peu le principe basique. Il nous faut. Donc c'est pas ici. Il faut que j'aille regarder là, je suppose. La recette, voilà. Il nous faut. On n'a pas de recette de. Mais par contre, si on fait des planches, ça peut être pas mal. On va faire des planches. Et on peut pas faire la. Ah non, on peut le faire que là-bas. On peut pas faire la recette du truc qui est en feu. Mais on a les outils. On n'a pas tous les outils, je crois, par contre. On va essayer de faire des planches. Je pense que si on fait des planches, je peux en faire. Hein, voilà. On va faire des planches. C'est quoi déjà? Ah oui, c'est les cornes. Les cornes, je crois qu'il y en a ici. Hop, hop. J'ai mangé quoi là? Ah oui. Donc si, je pense que si on fait les planches, on va débloquer le radeau. Mais je ne suis point sûr. Alors, regardons. On annule, on regarde. Piège à animaux. Mais super! Il nous faut des. Il nous faut... Alors attendez. Vite. Ah, il fait nuit. Équipons-nous. Allons chercher des myrtilles. On va piéger les lapins, comme ça on n'aura plus besoin de chercher. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Ah non, j'ai loupé. Par contre, on gâche pas. Hein. On peut pas prendre. Mince. Je vais manger. C'est où qu'on avait vu? Il y avait plein de myrtilles. Je sais plus où. Je sais plus où. Je sais plus. Je sais plus. Les pièges à animaux, moi je trouve ça bizarre qu'on ait pris autant de temps à trouver, hein, n'empêche. Hein. C'est fou. Alors, myrtille, myrtille. On va prendre le bois. Allez, c'est parti. On va essayer de piéger du coup les. Ah, mais tiens, il y a une planche là. On a exactement ce qu'on a. C'est une latte. Une latte en bois. C'est vrai que ça s'est régénéré le truc. Le monde. Je dis le truc, hein, mais vous avez bien compris qu'on parlait du monde. La nature se régénère. Assez rapidement d'ailleurs. Ça fait peur. J'espère que vous entendez bien la musique. J'ai l'impression qu'on veut. C'est très bas. Attendez, je vais monter un peu le son. Ouais, c'est mieux comme ça, non? Oui, parce qu'il y a de la musique, et moi je fais de la musique à la bouche en plus, c'est pas la folie non plus, hein, donc c'est pas comme si j'étais un musicien. Bois de construction, on va le garder. Hop, on va prendre ça. Serre pour le feu. Donc bon, du coup, ah si, si, on a besoin pour faire le piège, je crois. On va prendre ça. Équiper le maillet. Oh, bah, c'est direct! Trop bien! On a tout. Tu veux faire autre chose, t'échanges, je peux le faire, mais le problème c'est que si tes singes le font, ils vont défoncer le truc, non? Vous entendez la mer? T'es sûr que c'est la mer et pas le. et pas le son de l'ordinateur? C'est possible. Attends, je vais checker. Il y a le vent, en fait c'est le vent. Ok, donc on a déjà un piège. On va rajouter un piège. Et il manque un composant. Il manque plein de composants. Allez, on va mettre un piège. À côté, là où ils sont un peu tout le temps. Ici, là. J'imagine qu'il faut rajouter tout le temps des myrtilles dedans. Mais on fera ça plus tard. Hop, et on va ranger tout. Hop, hop. Peut-être pas la bouffe ici. La bouffe, c'est pas là, je crois. La bouffe, c'est de l'autre côté. Quand je passais devant l'eau. Bois de construction. Qu'est-ce que j'ai fait? Allez, c'est là. Je vais vous faire marrer, hein. J'ai envie d'aller aux toilettes, hein. Je vais devoir y aller.
Alors attendez, je crois que j'ai exprès préparé justement toute cette petite opportunité. Je vais vous laisser poser devant la mer. Je vais aller aux toilettes 3 secondes et je reviens. Je coupe le son de mon micro. J'enlève la caméra, histoire de... À tout de suite. Je crois que j'ai fait une bêtise. Je crois que j'ai j'ai coupé le chat sans faire exprès tout à l'heure. Alors attention. On va checker. Re. J'ai cassé le truc. Alors attention, je regarde vite fait. Salut Nibbler. Bon, l'idée de se poser devant la mer vous a plu, j'espère, parce que c'était rapide quand même. Est-ce qu'on se dirait. Est-ce qu'on se ferait pas un petit. Alors je sais pas si ça marchait pas tout à l'heure, mais. Est-ce que vous voulez qu'on se. Ah, le bruit du feu est resté. Qu'est-ce qui se passe? Mais il y a le feu depuis tout à l'heure. Casse-toi. Y avait toujours le feu. Je viens de l'entendre. Le fireplace. Fou. Ah, peut-être qu'on a attrapé des lapins déjà. Allez, on va regarder. Est-ce que le lapin a été attrapé? J'ai l'impression que oui. Le lapin a été attrapé. Alors, on ramasse. Oh, il est mort à l'intérieur. Et c'est super triste. Et en plus, ça se casse au bout d'un moment. Je suis triste. Il donne pas beaucoup en plus en bouffe. Ça vaut pas le coup de tuer des lapins. Non, mais c'est pas ici la bouffe. Oh là là. J'ai l'impression que les os aussi, ils se périment. Donc, du coup, est-ce que ça veut dire que c'est de la bouffe? Est-ce qu'on se ferait pas un petit vote, enfin un petit vote à main levée dans le chat? Qui veut aller se balader? Bon, est-ce qu'on continue notre tour de nos cartes qu'on a trouvées là? J'ai déjà plus rien à manger, c'est incroyable. Est-ce qu'on se regarde ouais, toutes les cartes, tout ce qu'on avait en cartes, ou on essaie de construire le radeau comme on a dit? Je pense que le... Construire un radeau, ce serait pas mal, mais apparemment, ça a l'air plus compliqué que je le pense. Parce que là, on a construit deux trucs. Un mannequin d'entraînement sert à dresser les singes au combat. Je crois qu'on n'a pas besoin de ça. Je crois réellement qu'on n'a pas besoin de ça. Sinon, on débloque tout, on essaie de voir tout ce qu'on peut faire. Mais j'ai l'impression que là, on va avoir du mal à faire le. Peut-être de ce côté-là, la décoration murale. Bon, en plus, on a des charbons, on a tout. Vas-y, on va faire ça. On va faire la décoration murale, je sais pas à quoi ça sert. Je suppose que c'est juste pour augmenter ses capacités de travailleur.
Syndic. La balade, oui. On va faire la balade. Je pense que vous êtes tout le monde est d'accord. On va essayer juste vite fait de débloquer au maximum ce qu'on a pour faire une bonne balade. J'ai que ça. Ah oui, c'est ça, il faut que je fasse ça. Bim. Et après, je fais ça. Non, c'est quoi déjà? Oui, c'est ça. Il en faut combien, hein? C'est bon. Équiper le maillet. J'espère que vous aimez bien la musique. Elle est ambiançante. Elle est un peu calme et tout. Alors, est-ce qu'on peut... je peux accrocher ça ici? Comment qu'on fait? Je sais pas. Est-ce que ça, c'est pas un mur du coup, ça veut dire? Peut-être. En fait, je débloque des trucs. Je sais pas à quoi ça sert. Bon, allez, hop. On va dire que c'est une arme. Et du coup, on a débloqué quoi? Ah oui, décoration murale, c'est pour pouvoir mettre des... Ah, gros chat. On peut trouver un gros chat. Un cerf. Mais ça, on a déjà les cerfs, je pense. Et trophée de sanglier. Mais on n'est pas des chasseurs fanatiques de... On va essayer de faire ça. Le tapis. On va faire le tapis. On s'équipe du maillet et on va checker tout. Mais non, mais t'inquiète. Si tu peux le faire, fais-le. En plus, ils t'appartiennent pas, hein. R réunit ses forts et te suivent parce qu'ils sont gentils et tu leur offres des chapeaux. Bizarre, lui. Idriss, tranquille, hein. C'est long, hein, par contre. Waouh, tout ça pour un tapis. Pour un tapis. J'espère qu'on va apprendre à mettre un tapis. Ah bah. Bah non, on va le mettre à côté du... On va le mettre là. Attends. On fait ça bien. On organise notre petite chambre. Voilà. Ouais, on a un tapis. On peut mettre ses pieds dessus. Je suis très content. Bon là, en vrai, ça sert pas à grand-chose. Ok. Mais on a débloqué des trucs. Non mais, annule. Choisir la recette. Qu'est-ce qu'on a débloqué? Un drap de lit de luxe. J'ai l'impression de me faire carotter par le jeu. On va ramasser le tapis. On est vraiment en train de faire des draps en lin. Hein. Il faut le faire deux fois. Oh là là. Bon, ajoute. Il faut combien de... Une seule. Mais, il va pas trop loin. En plus, autant de temps pour faire un seul tapis. Oh là là. Tout ça pour débloquer toute l'arbre. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va se balader comme ça, on peut même pas faire le radeau pour l'instant. Dane! Il nous reste 8 minutes. Est-ce qu'en 8 minutes, on aura fini? Alors, quoi qu'on peut augmenter de une demi-heure à peu près, parce que c'est 18h hein, du coup, le JDR. Pas 17h, j'avais mis 17h, je crois. Ok, c'est bon? Ok. On prend ça, on prend ça. On choisit la recette, on fait les draps de luxe. Je crois que je peux faire ça tout seul. Oui, je peux faire ça tout seul. J'ai besoin de quoi déjà? Oui, j'ai besoin de la petite touffe là. Hop. Ah, il me manque encore. Hein. Voilà. Et il m'en faut deux. Oh là là. Il me faut quatre, ça. Donc trois. Ça devrait être bon. On va faire quatre pour être sûr. Hop. Ça, je l'ai besoin d'une fois. J'ai tout pris. Bon, comme ça, on s'est fait. Ah! On n'a plus de trucs de palmier. Non! Comment on va faire? On va devoir casser du palmier. Si, il y en a un. Ok. Que vous voyez cette rapidité d'exécution, c'est magnifique. On va déposer quelque chose hein, parce que j'ai l'impression qu'il veut pas qu'on. Bon, la longue vue, tu vois là. Ça, c'est ça va être notre coffre à départ. On équipe le maillet. Au niveau de la bouffe, il est en train de die, hein.
C'est-à-dire que Idriss est en train de mourir. C'est genre trop de passages au travail. Je peux comprendre. Le burn-out, tout ça. C'est bon? Ok. On a des draps de luxe. Ouais, c'est censé. Ah, ok. Je suppose que s'il fait froid, j'ai chaud. Et une voile. Super. Ça, c'est exactement ce qu'il nous faut. Donc, il nous faut 3 couches. 9. 9 tapis de fortune. Donc, alors. 9 tapis de fortune. C'est 9 tapis de fortune. 9? Non, 3. Donc ça fait 9 plus 1. Il me faut 10 cornes. Bon, allez, on va faire les cornes. On n'a pas fini. Hein. Surtout qu'en plus, il faut les faire une par une. Wow. Je suis désolé, hein, c'est un peu répétitif, hein, désolé, hein, mais on est là pour ça aujourd'hui. On va aller couper de l'herbe. Ici. Ok, on en a 10. On a des touffes. Est-ce que ça suffit au niveau des touffes? Donc il en faut 4 pour une et il nous en faut 3, donc ça fait 12. Est-ce que j'ai d'autres touffes? Non. Est-ce qu'il y a de la touffe là? Non. Aïe aïe aïe, on va pouvoir en faire que deux. Bon, allez hop, c'est parti. De toute façon, ça prend 15 ans. Mes chers amis. Mes chers animaux, voilà. Fais! Regarde, je te demande de m'imiter, Nicéphore. Tu prends ton maillet. Alors attends. Il faut que je prenne un maillet. Ça, c'est un maillet? Non, pas du tout. Il est où le maillet? Là. Hop, regarde bien. Hein. Comment dire? Mais non, attends, on t'a demandé d'imiter. T'imites bien, hein? Regarde bien. Tu as l'objet. Tu peux faire ça? Quoi, t'as plus de maillet? Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé quoi là? T'as plus de maillet? Mais il a fait disparaître mon maillet? T'es sérieux? Oui, il apprend, il faut que je finisse. Et comme ça, il comprend. Mais c'est fort, tu peux apprendre à construire ou tu sais que la destruction dans ta vie? Je crois que je vais mourir. Hein. On a plus de bouffe. Tu peux faire ça ou pas? Ni c'est fort. Mais il est parti où le maillet? Oh, il m'énerve. Bon, t'as un maillet. Hein. Écoute, on va aller chercher à manger maintenant. Je sais pas pourquoi il a posé le maillet. Je lui ai lancé. Il a pas voulu le faire. Viens. Il me bourre. Il y a de la bouffe ici. On va faire un shish kebab. Hop. Et ah oui, je suis blindé. Je suis blindé. Bah, Nice est fort, écoute. Je sais pas quoi te dire. Je crois que la destruction est trop ancrée dans ton corps. On essaye de t'apprendre à construire hein, un peu, hein, histoire d'eux. Tu veux pas venir avec nous? Allez vite, avant qu'on meure. Est-ce que j'aurai le temps d'aller jusqu'en haut, survivre, trouver des noix de coco, manger les noix de coco? Quoi? Non mais... Pourquoi il y avait autant de trucs là?
Non mais je veux pas ça moi. Qu'est-ce qu'il me fait? Mais pause! Pourquoi il y a tout ça là? Moi je veux ça moi. Je veux ça moi. Je veux tout ça en fait. Bon c'est pas grave. On continue. Maintenant on est presque plein. On bouffe. Hop 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 hop. Toutes les noix de coco, c'est bon. On va prendre ça, la manger. Hein. Manger des ailes de chauve-souris comme d'habitude. Pour changer. On va aller chercher notre. Parce qu'on a besoin de touffe, donc du coup on va devoir aller chercher les lapins. Le lapin qui est là. Voilà. Ok. Et du coup, on est bon. Alors, il nous faut. Bah, on a tout. Alors, on est d'accord que tu as ton maillet. Tu es là pour m'imiter. Tu peux imiter à faire ça ou pas? T'as un maillet maintenant, Nicéphore. Il faut que ce soit plus court que son truc, peut-être. Je sais pas s'il apprend. Parce que normalement, il apprend assez rapidement, mais. Ouais, je crois qu'il a pas appris. Le bruit voulait dire que ça apprend pas. qu'il est pas là pour apprendre. Donc du coup, on en a deux. Il nous en faut trois. Il faut que je fasse un truc petit en fait pour pouvoir qu'il le fasse assez rapidement. On va faire ça. Hop. Je peux pas prendre ça. Ouais. Bah du coup, on va poser quelque chose. Qu'est-ce qu'on pose? Le fagot de paille? Oui, posons le fagot de paille. Et prendre. Non mais on voulait prendre ça en fait. Bim. Hop. Donc. Recommençons. Après. C'est bon ou pas? Tu peux faire ou pas? Mais t'as tout. C'est parce que t'as pas d'atelier? T'es triste parce que t'as pas d'atelier? Je crois qu'il a besoin d'un atelier. Hein. Je pense que. J'ai pas le time pour faire un deuxième atelier. On n'est pas là pour faire ça en fait. Nous, on est là pour pouvoir découvrir le monde. Voilà. Il nous faut du coup un autre bout. Je pense qu'il y a un. Ouais, il y a un lapin qui s'est fait enfermer. Voilà. Je sais pas pourquoi je t'ai donné ça, mais. Je voulais juste que tu me suives en fait. Je vais te donner une arme. Ton arme préférée qui est la batte. Voilà. Peut-être faire des chiches kebab quand on aura faim. Ok. Ça c'est bon, il nous en faut 4. Wow, c'est énorme. Et du coup, il nous faut ça. Donc ça, c'est bien, on peut le faire maintenant. Hop. Je crois qu'on a suffisamment de feuilles là, ici. 26, ouais, c'est bon. Donc on va faire ça. Il faut 4, hein. On aura déjà notre voile. Il en faut 3. Il en fallait 3, j'en ai fait 4. C'est pas grave, hein. On a toujours besoin de plus. Ça, c'est bon. Donc, on peut reposer, je pense, ça. On n'a plus besoin. Mais du coup, on n'a toujours pas notre base de radeau. Et ça, c'est étrange, quand même. Très étrange. Est-ce que si on débloque tout, on ouvre quelque chose? Par exemple, si je fais ça, est-ce qu'on développe autre chose? Bon. Je sais
Je vois pas trop ce qu'on peut faire d'autre à part quand on va faire la voile, est-ce que ça va débloquer le truc, mais je suis pas sûr. Et on a déjà notre. Ouais, on a déjà suffisamment du coup. Il nous manque juste les poils, c'est ça? Il nous manque juste le dernier. Ouais, c'est ça. Il nous manque juste les poils de. Les poils de cul de lapin. Il nous en manque 3. Peut-être qu'on va aller chasser le cerf. Hein. Je sais qu'ils en donnent les cerfs aussi. Je suis désolé, cerf, mais on est là pour ça. Pour vous chasser aujourd'hui, je suis désolé. Un cadavre. Bah, il a rien. Il a rien. Bonjour, monsieur le cerf. Voilà, on vous a bloqué, monsieur le cerf. Mais vous partez où, monsieur le. Mais il s'est barré où? Il est là. Ah, il est fatigué. Nicéphore, normalement, je te connaissais plus agressif. Je lui ai donné un coup, mais j'ai pas réussi à lui donner plus. Je crois que c'est le genre de cerf à attraper. Ouh, mais qu'est-ce que. Ah, mais ça, c'est tous mes abandons, ça. Gâchis de la nature. La mystérieuse boutique est maintenant ouverte. On peut aller voir le. Bah, écoute, on va aller voir. Écoute, on va faire ça, hein, parce que là, j'ai pas l'impression que je vais pouvoir chasser le cerf, et du coup, le jour, je pense qu'ils sont plus. Ils sont 3, je crois. Il est 16h03, ça fait bien 2 heures qu'on est là. Exactement, Wizbot. On va aller voir ce qu'il vend. Le boutique man, là. Boutique ma woman. Va essayer de récupérer quand même tout ce qui est mangé. Je sais pas si on peut manger les. Non, on peut pas les manger comme ça. On risque d'abandonner quelque chose et je pense que ça va être ça en plus, c'est ça le pire. Aïe aïe aïe. Bon, on va faire manger ici plutôt. Non. Non. J'ai changé d'avis. On va déposer les ailes ici. Comme ça, si jamais on revient, on pourra faire à manger ici. Et on va aller voir. On va aller voir la boutique. Ou ouais, avec le reflet, c'est incompréhensible. J'ai vraiment du mal à voir où je marche. Je crois que c'est là. On est déjà rentré dedans? On est déjà venu ici? Non, je crois pas. Portez-moi donc un truc, je vous attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un arbre sacrificiel? Non, c'est le clan des MacLeod. Mais où est la. Où est le. Où. Attendez. Mais normalement, il est là, le. Il est dans le coin, le. Non? Il est en haut. Je crois. Il a bougé? Ah oui, il se déplace, c'est vrai que c'est un. C'est un. Ouh là là. Ah oui, mais ça, c'est là où on était. Je sais pas du tout où il est. Il s'est peut-être barré, hein. En tout cas, on a trouvé alors un autre endroit où on peut descendre. Je suis porté ça. Ah ouais, non, ça c'est là où. Ah, mais c'est là où il y a les cerfs. C'est bien, c'est très bien. On est très. Oh, exactement au bon endroit. Bonjour les cerfs. C'est un massacre. Ils sont trop forts, les R et. R a gagné un niveau, bah c'est tant mieux, hein, écoute.
Ils sont trop puissants. Et du coup, ça a ouvert un truc. Ça, c'est un... Ah, c'était un donjon qu'on n'avait pas vu? Ah, je peux faire ça? Ah, d'accord. Bah, du coup, on peut rentrer dans cette maison ou pas, hein? On peut ramasser le boîte de construction. Bah, c'est très bien. Du coup, arrêtez de vagabonder et approchez-vous. D'accord, je... Bonjour. Faut lui donner à manger. Bah tiens, ajoute. C'est juste ça? Ah oui, mais ça, on l'a déjà donné, je crois. En fait, on valide des trucs, je sais pas pourquoi. Ok, c'est pas grave. On va faire comme si il y avait rien. Ah, le nain de jardin. Il y a un mythe. Il y a un mythe, je savais même pas. C'est Lost? Vraiment? On est dans Lost? Donc là, j'imagine qu'on peut... Tant qu'à faire, je comprends plus rien. Il y a trop de coffres dans ce monde. Je crois que je suis trop tout seul. C'est un truc qui joue vraiment à plusieurs, en fait. Parce que tout ce que j'ouvre, en fait, c'est une carte trésor. Donc, c'est compliqué, là. Là, il y a la lance, maillet. Il y a du verre. Il y a le donjon. Non, mais en fait, on est blindé en... on est blindé en matériel, les gens. Bon, on cherchait la boutique à la base, mais maintenant qu'on a déjà tous nos... mais c'est pas possible, en fait, on a déjà tout. Tout ce qu'il faut pour faire la voile. Donc là, normalement, on rentre, c'est bon. C'est juste qu'on crève la dalle. On va ramasser tout ce qu'on a besoin sur le chemin. Alors là, je comprends jamais, c'est par où on passe en fait, entre les arbres. C'est ici? Ok. C'est trop marrant comme l'ombre. L'ombre de sa barbe, elle est comptée comme son ombre à lui. Idriss, cher Idriss. Je regarde un peu partout. Hein. Mais c'est vraiment Lost, hein, je pense. Hein. Il doit y avoir une fumée noire quelque part. Et finalement, on est déjà mort. Mince! J'ai spoil. Excusez-moi. Hein. C'est pas comme si c'était bien. Je mettrai peut-être un spoil préventif au cas où. Alors. Je crois qu'on peut faire du coup ça. Again. Exactement. Et du coup, ça nous fera 3. Et là, je pense qu'on est bien. Est-ce qu'on aura fini notre voile et notre radeau à 4h30? Je suis pas sûr. Mais on tente. C'est long. C'est pour ça qu'il faut laisser nos singes faire ça. Ok. Et voilà, on a notre... Ou ça va durer 15 ans, ça, je pense. Après, faut faire à manger, parce qu'en fait, je me laisse toujours crever de faim jusqu'au maximum, mais faut pas. Surtout que là, en plus, ça va prendre 15 ans. Petit zoom avant. C'est où, au cas où, on est perdu. On est bien là, hein. J'espère qu'on pourra faire radeau après ça, parce que si on peut pas débloquer le radeau, je pense pas que ce soit avec la lance et les flèches.
J'ai l'impression que non. Aïe aïe aïe! Bon alors du coup, on va faire ça. On va faire à manger aussi surtout. Ah, je peux pas faire à manger. Excusez-moi. Je pose ça. Il est où le bois? Il est où le bois? Il est ici le bois? Oui. Maillet. Vite, on va mourir! Bon, faut que je lâche quelque chose. Hop. C'est tout? C'est si peu. Ça utilise 2 par 2, hein, je crois, la viande. 4 par 4, waouh. Bon, apparemment, pour pouvoir avoir un radeau, il faut et ça nécessite des. Comment ça s'appelle des. Alors attention, je déplace la lumière pour voir si ça change quelque chose sur le retour. Non. Bon voilà, bah c'était bien. Hein. Du coup, on a besoin de. Il y avait un tremblement de terre. On a besoin de ça. Il en faut 4. Mais comment qu'on fait pour trouver du métal? Ah, il y en a 3 là. Faut que j'aille dans les donjons, j'imagine, parce que là, le métal, on les a trouvés dans le donjon. Il me faut du bois, il en faut 4. Ça, je pense que le bois, c'est bon. Et les fleurs, il y en a plein partout. Voilà. Et. Mais prends les fleurs! Très efficace hein, cette hache. Elle tape vraiment tout. Donc là j'en ai 7, je sais plus combien il en faut. Bah c'est bon. Ça sert à rien. Et il nous faut ça. Donc, ah, il faut des. Bah, j'ai des cordes et il me faut du bois, c'est ça? Ok, le bois il est là. Il est là. Il est. Je l'ai pas vu. Il était à côté? Non. Il est où le bois? Ah, je l'ai posé, je crois. Oui, il est là. Ah, la caméra. L'effet caméra. Mais on peut prendre ça en fait. Il en faut 4. Rangeons la bouffe. Voile de fortune, on garde. Vu qu'on sait, c'est un peu pour ça qu'on fait. Enfin, on fait tout ça pour ça. 2. 3. 4. On ajoute. Et du coup, il nous manque juste le métal. Alors. Je sais pas où on va trouver du métal. Mais par contre, on va essayer d'aller dans les grottes pour voir. On va tout ranger et on va s'équiper de tout ce qu'on a besoin, c'est-à-dire ça. Ça, je mets ça là, et ça, je mets ça là, ici, et ça ici, et ça, voilà, comme ça, je vois bien. Ok. Bon bah alors c'est parti, hein. On va aller checker dans la cave la plus proche. Il y a des galets, donc non. Il y a des os. Je vois rien, c'est magnifique. Quoi? J'ai cassé le mur là? On peut creuser? On peut creuser la cave? Bah attendez, faut qu'on aille chercher de la lumière, parce que je ne savais pas du tout. On peut creuser la cave, je ne savais pas. Ça me paraît pas anormal, mais vu qu'on est à côté, on va chercher la lumière. Je crois qu'il y a de la lumière ici. Je sais pas combien il en faut, mais bon. Un, c'est bien. Et peut-être qu'il faut sauvegarder un moment aussi, j'y pense. Non.
Je veux dormir. On apprend tous les jours. On n'aura pas fini le radeau, j'ai l'impression. C'est quoi ce... Le fait que j'ai... Mais j'ai un surplus de d'énergie là? Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quoi pour avoir un surplus d'énergie? Ah, c'est à cause du truc de luxe? Waouh! Mais j'ai posé mon truc! Qu'est-ce qui se passait? J'ai posé mon... Ah, ça s'éteint pas. J'adore les torches, hein, qui s'éteignent pas. Ok. Ok. Je suis content. Mais je l'ai posé, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors attendez, parce que je vais essayer un truc. On va le poser au sol pour voir. Ah, la torche ne s'éteint pas quand on la pose au sol. Bon, de toute façon, on doit les creuser. On va aller dans la cave, on va voir. Ça marche aussi? Ça marche plus. Mais en tout cas, il n'y a pas de métal ici. Je pense qu'on va devoir aller dans notre deuxième maison, le donjon. Alors là, on a creusé. Mais en fait, c'est des... Oui, c'est ça, on casse les murs, en fait, c'est pas... On trouve rien, là. On voit rien, déjà. Bon, allez, hop, ça y est, on se casse. On va aller dans notre donjon. Mais j'ai toujours pas de bouffe. Mais c'est incroyable, cette histoire. Bon, on va trouver des myrtilles sur le chemin. Vous êtes bien équipés, hein, les petits singes. Est-ce que vous voulez quelque chose de particulier, monsieur? Il faut de la bouffe. Je n'ai pas de bouffe pour vous. Enfin, de la bouffe, hein, de la viande, hein, principalement. J'avais compris que les totems étaient un peu fans de viande. Non. Ici, là. Il y en avait. Ici. On n'en a pas. C'est surtout ça qu'on a besoin. Je regarde un peu au pif, mais en fait, finalement, tous les trucs là, on les a un peu déjà. En fait, c'est. J'ai du mal là. Le radeau, je vois pas du tout comment on va le débloquer, à part si c'est un truc que tu dois découvrir dans un donjon. Donc. Mais on va checker. On va aller voir dans le donjon. C'est peut-être possible que ce soit dans le donjon. Le nouveau donjon qu'on a découvert. Et après, on va regarder parce que je comprends pas à quel moment on est censé trouver la map du radeau. On va d'abord faire le donjon. Comme ça, au moins, on aura fait un donjon aussi dans le truc. Ah, mais il y a une cave ici. On va aller dans la cave parce qu'on a la torche. Et on va voir si on doit se taper contre des gens. Parce qu'on n'a pas fait cette cave-là. Alors, oui, bonjour, oui, ah... Oh, elle est grande. Ouh là là. Mais il y a que... Est-ce que si je casse ici, c'est du métal? Non. Ça, c'est du métal? Non. Bon, c'est bien, hein, de savoir qu'il y a des galets, hein, mais... Les galets, on les trouve... Ah! Non. Les galets, on les trouve aussi ailleurs. Ça fait du bien d'avoir les trucs de luxe, hein, j'ai l'impression pour mon corps meurtri de survivant. On n'a toujours pas trouvé notre aussi vendeur particulier. Hein. Donc là, c'est notre chez nous. Et on va sauvegarder ici pour pouvoir être sûr de revenir là. Si jamais il y a un problème.
On fait dodo. Et du coup, donjon. Donjon d'en bas, là. Je crois que c'est en bas. Ici. Non, c'est un peu plus sur le côté. C'est ici. On va déposer des trucs qu'on n'a pas besoin. Ça. Ça. Prendre le verre, parce que ça, c'est un truc assez rare. La lance, si jamais il y a besoin. Les pierres, on n'en a pas besoin. Allez, c'est parti. On va prendre la lance. La lance, je sais que j'aime bien l'utiliser. Donc, on va voir. Et là, il y a la lumière. C'est fini. Ah, j'ai failli mourir. J'ai failli mourir. Bêtement. Mais il y a que ça. En fait, on l'avait déjà fait, je crois. Mais c'est que des galets, mon Dieu. Ah, non, mais si. Voilà. Aha! Oh! Tiens, qu'est-ce que tu vas faire? Allez les singes, débrouillez-vous, que je survive en mangeant des mangues. Attends, 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 faut que je m'équipe. Mais vous êtes hyper fort! J'ai cassé une clé. Mais c'est pas du métal. Oh. Totem chauve-souris décoratif vendable. Ça, c'est bien ça. En plus, avoir un totem sur soi, c'est toujours bien. Alors, hop, hop, hop. Mais il n'y a rien d'autre. Mon Dieu. On va faire que se taper. Attendez. Je suis déjà blindé. Je suis déjà plein. Ah! Bonjour, mes amis. Ah oui, je vais sauvegarder. Je vais sauver. Ouais. Je vais faire comme d'habitude. Sauver mon singe. Et hop. Et lui donner une arme. Allez, viens ici. Que je te donne une arme. On a sauvé notre troisième singe. Donc, alors, on va faire un vote. Vous voulez voter pour quoi comme nom? Nom de singe. Ah mais R t'as rien? R t'as R. R t'as R. Ah. Ah. Mais sauve-toi. C'est quoi cette boule là? Ah c'est une tête de mort. Ok. Autant pour moi. Allez, Nice, c'est fort. Bloque-les. Bloque-les pour moi. Voilà. J'ai donné un truc à R. Il faut que je donne un truc au nouveau nom. Ninouche. Non, alors non. On essaie d'inventer des noms ici quand même. Zephyr, il va être utilisé, je suis pas d'accord. I'm dying. Voilà, Nibbler, c'est à cause de qui ça? C'est à cause de qui que je suis mort? À cause de moi, c'est ça que tu veux dire? Bon, il y a les animaux qui sont revenus. Le troisième, il est où? Il est en bas, on va aller chercher. Faut qu'on refasse ce truc, mais j'ai plus rien. Il est dedans. Sinon, on... Mais ils sont partis où là? Mes animaux? Enfin, mes animaux, mes singes? Mes amis singes? Attends. Rassemblement! Avengers! Mais il est dedans? Ou il est pas dedans? Allez, bon, on va les relooter. Nibbler, faut trouver un autre nom. Hein. Tiens, il est là. Ok, vous êtes prêts? Haha! Je ne suis pas mort! Il est où notre nouveau nom?
je lui donne. C'est bon. Alizé. On continue dans les vents. Wouah. Je suis choqué, t'as dit Alizé, wesh. Wouah. Attends, attends. Mais pourquoi il s'appelle Jeannot déjà? Il faut vraiment trouver un nom. Tiens. Voilà, maintenant t'es équipé pour attaquer. Allez, viens. Il a l'air un peu. Un peu fatigué notre troisième larron. Je crois qu'il a été enfermé trop longtemps. Ah, j'ai cliqué sur un truc sans faire exprès. Mais en fait, on peut rien construire. Oh. Une attaque approche. Bah écoutez, venez, j'ai envie de dire, qui ose. Notre mais quoi la base? Mais elle est loin. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est à cause du totem, c'est ça? Vite, faut qu'on y aille. Je suis pas du tout équipé. Je bon, hein, Joseph GL. C'est quoi ça? Mistral gagnant, mais arrêtez vous. Christian, mais pourquoi Christian? Vous trouvez pas mes noms cool et sympa? Je sais pas. Eh, faut, on va devoir aller les taper là, puisque ils ont l'air de faire la fête. Il est où Jeannot là? Jeannot Lapin. Pourquoi il veut rester à la fin? JPP, mais non, tellement pas. Kassim c'est pas mal. Kassim j'aime bien, ça me fait penser. C'était dans Alibaba les 40 voleurs, le film où Simbad, le marin, le film aussi. Qui avait Kassim comme nom. Et je trouve ça cool. J'aime bien comme nom. Je crois que Jeannot, il nous a abandonnés. Il veut pas se taper avec nous. Pour protéger notre. Mais ils sont sérieux? Vous avez détruit tout! Heureusement que vous avez pas attaqué la. Mais je suis en train de me faire démonter. Mais c'est un truc. Ok. Eh bien voilà, il est 16h30, je pense qu'on est suffisamment mort. Vais-je reprendre la sauvegarde de la dernière fois? Vais-je revenir en arrière? Vous le saurez dans le prochain épisode de The Survivalist. Allez hop, on va changer. On va jouer à Untitled Ghost Game. Alors, cherchez le nom du troisième larron. Voilà. Ok. C'était rapide.